Quand j'étais au lycée, mon prof m'a dit « Tu ne deviendras rien dans la vie. » Et il n'a pas eu tort. Je suis rien devenu. Il y a des filles, je les vois, mais elles ont des fesses. Incroyable. Passez-en moi un peu, non? Parce que moi, j'ai pas été gâtée par la nature. Tiens, goûte ma glace. Goûte le jaune. Le jaune? Ouais. D'accord. Ah ouais? Chouchou, je m'attends sur Instagram. C'est un halab kbir. Founoun kbira, c'est un halab. T'behdeil. Je te bais yemma. T'es un peu plus de temps. Je te bais. والله عليها لك تونا البلاد ما تحشمش وعليش تحط في السبع اكلير بيان لا لوميير مي لا سي نو لا سي بابا تي لا لوميير. Alors ils passent leur journée à dormir, ils ne font rien de ce que tu leur demandes, tu ne les vois qu'aux heures de repas. En fait, la seule différence entre un chat et un ado, c'est que le chat se lave. C'est un point, maman. Allez, faire un coulé. Allez, faire un coulé. Un petit message pour tous les rageux. Oh, il y a marqué quoi? 1, 2, 3, vive l'Algérie. Eh ben, ça c'était pour tous les rageux de la vidéo précédente. Peace. Hé hey Greg! Ouais? Hein? Je sais pas, vas-y, on s'appelle. Ah, mais sur la cross, c'était beau. Moi, c'était beau. C'est grâce à la Turquie. Merci. C'est Istanbul qui m'a rendu beau. Si, si. Des beaux cheveux, des belles dents et des beaux vêtements. Modèle 2020. Ouais, modèle 2020, 2021, 2022, 2023. Jusqu'à la fin. Je suis rayonnant, je suis splendide grâce à la Turquie. C'est Istanbul qui m'a rendu rayonnant et splendide avec un éclat de splendeur dans mon visage. C'est réel, merci, hein, la famille. C'est pas virtuel. Merci la Turquie, merci Istanbul. C'est Bang Bang, Abdeslax, la French Connection. Aïe. Sur TikTok, tout le monde me dit « On dirait elle a 12 ans !» Ah ouais, ma gueule, c'est ce qu'on va voir, je vais devenir une arnaque. Première étape, je mets tellement de fond de teint que je cache tous mes péchés avec. Ensuite, je fais du contouring parce que je veux perdre 10 kilos, mais c'est bien connu, les stars font pas de sport. En tant qu'influenceuse, je mets aussi du bronzer pour faire genre je suis partie à Dubaï. Et quel meilleur moyen pour devenir une arnaque que mettre le blush de Maeva Guénam? Ensuite, je viens maquiller mes yeux comme si j'allais à mon propre mariage, alors que de toute ma vie, la seule personne avec qui j'ai été en couple, c'est l'échec scolaire. Bien évidemment, je rajoute des fossiles et je fais du contouring sur mon nez parce que je veux que quand on me croise, on se demande si j'arrive à respirer. Alors là, je mets la dose d'highlighter, je veux qu'on croie que je suis un lampadaire. Maintenant que j'ai ébloui tout le monde, je viens grossir mes lèvres, je rajoute mon petit rouge à lèvres liquide, pop pop pop, et voilà le résultat. Regardez-moi cette star rise à ma souris. Le prochain qui me dit on dirait j'ai 12 ans, je lui casse la gueule. J'ai 21 ans, ok? Tu veux quoi? Je viens pourquoi? Non, je fais pas de câlin. Tu veux quoi, Coco? Fais bisous, Coco. Tu veux des bisous? Viens. Viens.
Non, je viens pas. Tu... Eh non, 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 non. Eh, non, ça tu vois. Non. Quoi ça? Mon cœur, c'est quoi ça? Tu fais pas le ramadan? Tu fais pas le ramadan? Oui. Le ramadan dans tout ça, il est où? Dans mon cœur. Dans ton cœur? Oui. Très belle réponse. Tu peux encore fumer. Les gars, d'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas remarqué, bébé. Tes pieds, wesh. Et vu que t'es trop petite, du coup, tu rentres pas dedans. Ah ouais, pour une fois, d'ailleurs, les gars, on mange pas de pâtes. Ouais. D'ailleurs, les gars, devinez la taille Adélia, s'il vous plaît. Essayez de trouver la taille. Travaillez, monsieur Tuche. Non, je travaille pas, je suis patron. Vous avez déjà vu un patron qui travaille, vous? Je suis un rouleau de pâtisserie. Je suis un rouleau de... Je suis un rouleau de papier toilette. Hey, je viens de me prendre une amende, ils viennent de me la mettre. Je me suis arrêtée 2 secondes pour aller chercher ma carte bancaire et je me suis pris une amende. Quoi. J'ai été correcte. J'ai dit, vous venez de la mettre, vous pouvez pas l'annuler et tout. Elle faisait trop la belle, la meuf. Je suis quand même partie, j'ai dit, allez, bon courage, bon travail. Désolée, elle me dit, je dis, c'est pas grave. Allez, parti. Allez, dans une semaine, je vais retrouver une amende. Oh, j'en peux pas, je vous jure. Je me suis arrêtée 2 minutes. 2 minutes en warning, ils m'ont foutu. À vélo, ils sont. En fait, on leur paye les vélos, en fait, c'est ça? On leur paye, je leur paye le vélo. Ils viennent, ils foutent des amendes, ils alignent, tu leur payes les vélos, quoi. T'sais, c'est un truc de ouf. Et le casque, tu payes le vélo, le casque, tu payes tout. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade, ça me rend dingue. Allez, une amende de plus. Toutes les semaines, j'ai des amendes ici, je peux te garer nulle part, de toute manière, ça me rend zinzin. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye d'attraper les 10 cas, hein, qu'est-ce que tu crois? Bon dia, papa Capi. Bon dia. Papa, il est en train de bien me couper, les gars. Je sens que je vais ressortir très très beau. Bon. Oh, Farid, il se fait, il s'est pas coulé. Franchement, t'es bien. T'es pas prêt, Oula, t'es bien. Mais oh, je suis bien, vous. Oh, regarde ma tête. Oula, on dirait criminel. Vous êtes de quelle nationalité? T'as mon passeport, c'est français. Français? Ouais. J'ai jamais vu un français. J'ai jamais vu un français quoi? De ce couleur. Cette couleur. Et vous utilisez du PQ comme tout le monde. Sauf que ma mère est allée en Thaïlande et elle nous a ramené ceci. Alors, je l'ai jamais testé et on va le tester en direct. Déjà, je veux vérifier la puissance. 3, 2, 1. Oh, sa mère. Eh, je vais me déflorer le trou de balle avec ça. Bon, je voulais l'essayer. Je suis plus trop sûr. Bon, vas-y, j'essaye. Je vais vous poser dehors quand même. Ceci est une expérience sociale. Si je meurs, bah, je serai mort. 3, 2, 1. Oh, sa mère. Je viens de me carchériser le trou du cul. Du quartier, est-ce que vous faites le ramadan ou pas? Tu fais le ramadan? Arrêtez de mentir, vous le faites pas. Attends, d'accord, y a pas de souci. Tu fais quoi là? Ah, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein, c'est quoi toi? Tu fais le ramadan? Hein? C'est quoi ce que t'as dans la main? Du coup, tu veux des pâtes à quoi ce soir? T'es sérieux? Avant-hier, c'était des pâtes, hier, c'est des pâtes, aujourd'hui, c'est des pâtes. Hier, bah, faut bien les finir, non? Hier, l'entrée, c'était les pâtes. Et le plat, c'était le riz. Et le dessert, c'était le riz au lait. La vie de ma mère, à force, mon estomac, il va plus rigoler, en fait. La vérité, c'est trop. La viande, on la mange une fois par mois. C'est comme la paix. Tu la touches une seule fois par mois. Après, plus rien. Qu'est-ce que ça fait chier, ce coronavirus, là? Au bout d'un moment, tout le monde devient fou, ici. 2 mètres de distance, carrelo. Ha ha ha!
Ha ha ha!